that inner strength and just pull that shit out of you and get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Ok, je vais te raconter une petite histoire. Enfin, deux si tu ne te désistes pas. Attends gros, je vois que les gardiens sont là. Tu veux leur chourer quelques punchlines ou ça va? Dans ma liste, j'ai Ed Chebest, c'est un grand chef. Pour cette soirée de vedette, je lui ai demandé une petite recette. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux de beau? Je lui ai dit, une petite sautée d'astro. Vous êtes une belle bande de pouilleux. Vous n'avez pas listé BDE car vous auriez été honteux. Ou en BDS, vous savez que ce serait LAS. Alors vous avez choisi BDA, car vous saviez que la troisième liste n'existait pas. J'ai pas besoin de lire mon horoscope, je m'en fous de l'astrologie. Ce soir, je sors mon télescope, prêt pour la coloscopie. Je vais montrer devant tout Biesri comment se débrouille le petit Casper. Je vais vous filer des MST pour vos anniversaires. Ah, qu'est-ce que vous avez dans la tête pour avoir listé? Ce soir, je vais vous faire votre fête, puis vous allez vous faire dépister. On n'a pas le temps. Votre présidente est tellement dans le thème que je l'ai envoyée au 7ème ciel. Le lendemain, elle chantonnait « Je demande à la lune si elle est encore de moi. Je lui ai dit « J'ai pas l'habitude de penser que comme toi. » Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Très bien, très bien. Oye, oye, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis de bonne humeur car ce contender c'est déjà plié. Ce sont les mêmes losers qui voulaient que je sois des leurs, vous faites pitié. Mais écoutez, vous savez, j'adore la concu. Surtout quand juste en face, ce sont les petits que j'ai moi-même conçus. Les gars, je suis désolé si je vous découte. On vous entend certes, mais personne vous écoute. Arrêtez-le. Je suis en plein kiff en ce moment. Je vais vous apprendre c'est quoi l'insolence. C'est de kicker en vous clashant sans qu'aucune insulte ne se lance. On va faire ça subtilement. D'ailleurs, soit dit en passant, l'autre jour j'ai vu ta meuf au bar. On se tapait des bars. Elle me disait je kiffe tes blagues. Elle disait kiffer les plaques. Du coup, depuis ce jour, elle dit bonjour. Mais c'est à moi qu'elle dit bonsoir. En effet, je le redis, mais tous les soirs sur mon lit, c'est ta meuf qui me nuit. Les gars, juste à côté, j'espère que vous tenez le coup. Je vois parmi vous des gens se gratter le cou. Ah, je comprends mieux maintenant. Les fantômes sont sortis, c'est donc la sortie des poux. Vous êtes arrivés avec des masques parce que vous ne vous assumez pas. Après deux semaines de campagne, on vous voit toujours pas. Je vais finir avec ça si vous voulez. D'ailleurs, il n'y a pas que les fantômes qui sont invisibles. Leur déco l'était aussi. Comme toute l'école, évidemment, j'ai trouvé ça risible. Oh, merci, merci les fantômes, merci. Merci. Non. On passe directement au deuxième round des fantômes. C'est parti. Mais c'est de la graille, on parle pas. On a décalé l'ambiance. Je vais ok.
Vous êtes en apesanteur comme Calogero, mais vous devez arrêter de vous plaindre comme Calimero. Le point commun entre une Astro et une Tesla, c'est pas l'espace. Il y en a une qui tourne là-haut et une qui tourne en bas. La liste des Astro est une belle bande de pélos. Votre campagne sera comme la 13e mission Apollo. Vous allez monter dans votre fusée puis éclater. On va vous tuer puis vous prierez les fantômes de vous ressusciter. Les Astro ont payé un prix pour communiquer. Ils parlent de 400 euros, mais je sais que ce ne sont pas des billets. Vous irez voir Sabio. Sancho avance à 1000 à l'heure. Personne ne peut l'arrêter à part Camille. Quand elle décide de gagner, elle est vraiment impliquée. Désormais, comme elle, votre titre est bien monté. Vous nous avez insultés, mais vous allez le regretter. Vous parlez des blatterés, mais vous ne gagnerez jamais. Car n'oubliez pas que vous avez de la chance d'être né. Vos darons ont failli vous avaler. Votre liste est une tragédie. La dernière fois, je me baladais tranquillement dans PSP quand quelqu'un me dit eh oh, eh oh, ils sont où les Astro? Oh 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 oh. Et on va finir ces deux minutes là-dessus. Ce soir, c'est les RC. Faut qu'on brise la glace. On sait, vous pensez avoir la classe. Sauf que ce soir, on vous serait dans la crasse. Ouais. Au début, je pensais que vous alliez être notre pire cauchemar. Mais pendant la JDC, c'était... Mais ils sont où, les fantômes? Ils sont où, les fantômes? Les fantômes. Certes, votre teaser était claqué. Même niveau que votre choré. Sauf que nous, c'est pas une coach qui l'a réalisé. En fait, chez nous, ce bruit, c'est juste un blaze. Pas des simples échantillons de sandwich tout naze. Ok, ok, j'avoue, c'était facile. Mais c'est pas la peine de pleurer, parce que dans l'espace, personne vous entendra crier. Les gars, faut pas avoir peur de nous. À la base, ce qui doit faire flipper, c'est vous. Vous êtes parfait dans le thème. Personne vous donnera tort. À votre JDC, il y avait autant d'ambiance que si on était tous morts. Ça fait très Halloween. Mais bon, on dirait plutôt vous faites une soirée entre copines. Allez les fantômes, n'hésitez pas à nous montrer toutes vos facettes. J'ai hâte de rencontrer celui qui se balade en nuisette. C'est clair, là vous êtes en train de souffrir, donc il est grand temps d'en finir. J'ai pensé finir sur une punchline claquée. Allez, montrez vos lunes, c'est l'heure de la fessée. Non, c'est pas fini, attends. En bon gentleman, je vais y aller doucement, je veux choquer personne. Deux demoiselles dans un RC chez les fantômes, plus rien ne m'étonne. En vrai, j'aime pas les clashs sur physique car je me dis c'est trop petit. Mais en voyant ta tête, je suis intrigué, tes parents sont-ils de la même fratrie? Pas que je suis contre les choses en famille, après tout, chacun sa tombe. Et quoi de plus cool que d'appeler ses darons maman, papa, tati ou tonton? S'il vous plaît, les gars. Épargnez-moi, on est ensemble. Du début à la fin, un seul objectif en tête, c'est de vous réduire en cendres. Merci aux deux. On peut